Salut à tous, c'est L7C Fox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus exactement un nouvel épisode de L7C Fox sur les routes d'Europe avec l'épisode 47 qu'on va commencer tout de suite. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, t'as qu'à passer toi. Je tourne cette vidéo exactement suite aux événements qui se sont aux événements tragiques qui se sont passés dernièrement. Donc c'est pour ça que j'ai mis le logo Je suis Charlie. C'est mon petit hommage, c'est tout simplement mon petit hommage, voilà, et mon soutien à toutes ces familles, toutes ces personnes qui ont perdu leurs proches, comme vous avez pu voir lors des événements à la télé et tout ça. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo, je ne débattrai pas de ça parce que je ne maîtrise pas assez le sujet. Je n'ai pas envie de donner un avis qui serait contradictoire pour certains. J'ai ma propre opinion. Je voulais simplement mettre ce logo, Je suis Charlie, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. À noter, juste je dirais que ce qui m'a surtout choqué, bouleversé dans tout ça, bon, c'est l'acte qui a été commis. Mais pour dire plus exactement ce qui m'a pour moi vraiment touché, c'est que bon, pour tous ceux qui sont comme moi côté début des années 70, vous avez pour la plupart connu le club Dorothée. Et Dorothée, en fin de compte, c'est là où j'ai connu Cabu. Et Cabu qui fait partie malheureusement des victimes de ces événements. Donc comme je tourne cette vidéo au lendemain de ces tragiques événements, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce logo Je suis Charlie. Voilà, je m'arrêterai là, je n'en parlerai pas plus parce que je maîtrise pas assez le sujet. Voilà, donc on va attaquer cet épisode numéro 47 de L7C Fox sur les routes d'Europe. On est aux portes de la RusMap, on se dirige un peu plus dans l'Europe. Et pourquoi? Parce que vous le voyez, j'ai un camion un peu zarbi qui est même un peu, et je viens de le remarquer, bugué. Je ne pensais pas. Je vais mettre mon clignotant, hop. Et tout simplement parce que je vais à Lublin amener ce camion. Donc on va se retrouver, je vais faire une petite ellipse parce qu'on va se retrouver tout simplement à Lublin. Et pour aller voir le camion que je dois prendre. Et non, ce n'est pas celui-là. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve à Lublin. Oula, monsieur, que faites-vous? Je passe, j'ai même le rétro bugué. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous arrivons exactement à Lublin et on va se diriger plus exactement au garage de la Mazinger Truck Shop, au siège de la EETS, pour récupérer le camion et pour partir justement sur notre première mission à la découverte du nord de l'Europe, puisque le but va être mais de quitter un peu la RusMap et de partir vers le nord de l'Europe, mais carrément sur l'extrême nord de l'Europe. Alors pour ce faire, normalement la Mazinger Truck Shop m'a prévu une livraison puisque j'ai été d'accord pour partir carrément à l'extrême nord de l'Europe. Et en même temps, je pourrais comme ça vous parler du nouveau matériel qui est à ma disposition pour vous proposer tous ces épisodes de L7C Fox sur les routes de France, de L7C Fox sur les routes d'Europe. Et comme ça je vais pouvoir tout vous expliquer quand on sera dans notre nouveau camion. Voilà, alors on arrive au siège de la Mazinger Truck Shop, toujours sur la radio locale. Pardon. Allez, on arrive. Alors j'essaye de faire comme il faut, de me débrouiller, de pas me mélanger avec les vitesses. Hop, ce qu'on va faire, on va juste se positionner. J'ai toutes les portes qui s'ouvrent devant moi. Voilà, hop. On va passer la petite marche arrière. Voilà, allez, hop. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais le camion est complètement buggé. Alors, c'est un B1518 de Mercedes. On va le voir, hein. On va le voir plus exactement et beaucoup mieux. Pourquoi je ne peux plus me démarrer? Ah si, c'est bon. Voilà, hop. Est-ce que je vais pouvoir tourner? Est-ce que ça va passer? Je n'en sais strictement rien. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire voir
le camion, la tronche qu'il a, parce qu'il est assez spécial ce camion. Alors c'est un mode que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Il est un petit peu bugué, voilà, au niveau des rétros. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin si vous l'avez vu, je vous l'ai déjà dit. Voilà, allez, on va mettre le frein de parking. On va rester comme ça et on va faire une vue extérieure. Et je vais pouvoir vous montrer tout simplement le camion. On va même éteindre le moteur. Voilà, on va enlever le GPS qui sert à strictement rien. Regardez-moi ce bahut. Alors, il avait une gueule un petit peu spéciale et on m'avait tout simplement dit, voilà, L7C Fox, si tu, ça serait bien que tu te rendes à Lublin, à TPS Mondial AETS, pour aller poser ce camion parce qu'un autre chauffeur de la Mazinger Truck Shop, je crois que c'est le chauffeur Écureuil, à qui je fais un salut et un petit coucou, ça se trouve je vais peut-être le voir en récupérant mon nouveau camion, et qui doit récupérer le camion et continuer vers le sud de l'Europe alors que moi je pars vers le nord de l'Europe. Donc on vient d'arriver, le camion est là, je vais le laisser là, s'ils veulent le rentrer au niveau pression des pneus et tout, ils s'en débrouilleront. J'ai même la plaque qui s'est cassée la gueule. Bon, c'est pas bien grave, voilà. Voilà, un bon petit camion. Un petit peu bugué, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai choisi de couleur rouge, puisque les rétros étaient rouges. Voilà, si vous voulez tenter l'expérience, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, allez, mais je vais descendre, moi, du camion. Et puis, je vais attendre le message de la Mazinger Truck Shop, puisque que mon camion soit prêt, puisque j'ai mon, voilà, j'ai mon émetteur. Pour la Mazinger Truck Shop qui est prêt, j'attends. Voilà, allez, je vous laisse là et puis ben, on se retrouve d'ici quelques instants. Je vais attendre là aux portes du camion, voir s'il y a un petit signe. Je ne sais pas quelle heure il est exactement. On pourrait, voilà, il est 9h43. Il va falloir qu'il s'affole parce que il faut que je parte absolument. Bon, allez, à tout de suite et on se retrouve pour le nouveau camion, pour la suite de ses aventures. À tout de suite. Wow, wow, wow. Eh bien, ça y est, voilà, on a un fameux camion, mais un superbe même camion. On dirait un Volvo. Eh bien, écoutez, j'ai pas encore le feu vert de la Mazinger Truck Shop, mais je vais quand même me diriger vers le camion. On va monter dedans, tout simplement. Voilà, chose faite. Et waouh, c'est quand même bien, bien joli tout ça. La radio est déjà mise. Ouais, 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 ouais. Ah bon, bon. Quand même un sacré bahut. Je suis content parce que il y avait bien longtemps que j'avais pas conduit un style comme ça. J'avais conduit dernièrement un Peterbilt, mais là franchement c'est vraiment pas mal du tout. Bon, je vais quand même garder mon émetteur à la main, on ne sait jamais, on ne sait jamais, et on va pouvoir commencer cette aventure sur le nord de l'Europe comme ça au moins. Et bien, ah, la Mazinger Truck Shop, je répète, ici la Mazinger Truck Shop, pour L7C Fox, le Volvo est ok, je répète, le Volvo est ok, cargaison et livraison prête, cargaison et livraison prête, conditions climatiques du jour, temps très froid, moins 7 degrés, ressenti moins 6, message terminé, je répète, que dire de plus? Ben rien, parce que c'est tout bonnement excellent. Voilà, je mets mon émetteur à côté sur le tableau de bord et on va pouvoir y aller. Alors on va quand même admirer ce camion, et je vais pouvoir en profiter pour vous dire exactement ce que c'est comme Volvo. Alors il n'est pas aux couleurs de l'AETS, mais c'est, comment dire, il a une couleur comme un genre de prototype pour les futures livraisons. Sachez que de temps en temps, je fais quelques livraisons avec des prototypes pour tout simplement la Mazinger Truck Shop, pour voir si ça conviendrait pour une future, pour un futur achat de camion ou quoi que ce soit pour l'entreprise. Donc, avec l'accord de Jérôme 90, c'est toute la clique de l'AETS, la Mazinger Truck Shop. Ils ont bien voulu m'accorder de me mettre entre les mains ce camion tout neuf. Allez, ben on repart dedans. Bon, ben excellentissime. Alors, on va aller tout de suite. On va, ce qu'on va faire, on va afficher, voilà, on va afficher le petit rétro et on va aller chercher notre cargaison. On va enlever le frein à main, le frein de parking, et en profiter pour regarder, voilà, s'il n'y a rien.
Il n'y a rien de ce côté non plus. Allez hop, il faut pas que j'oublie que maintenant j'ai les vitesses. Allez, on n'est pas bien loin, il n'y a que 2 km à faire. Et je vais commencer et pouvoir commencer à vous parler de toutes ces nouveautés qui m'entourent. Alors toutes ces nouveautés, la plus importante bien sûr, c'est le volant Logitech G27, voilà, qui vient de faire son apparition dans mes vidéos, dans mes épisodes de L7C Fox sur les routes d'Europe. Il sera bien sûr présent aussi sur les routes de France. Alors, c'est une agréable surprise pour moi, ce G27, puisque je n'avais pas du tout l'habitude. Alors, j'ai dû rouler et essayer de me faire au mieux avec ce volant et surtout les vitesses. Et surtout, bien sûr, le paramétrer, le régler. Allez, on enquille la première. J'ai même les petites LED, là vous le voyez pas. Mais j'ai même les petites LED qui s'affichent comme un genre de contour. Vous voyez, on entend là le moteur. Alors un bruit un petit peu particulier quand même de ce Volvo. Mais j'ai l'air d'être à l'aise. J'ai réglé juste avant de monter. Enfin, juste avant de monter dedans. Non, pas avant de monter dedans. Mais j'ai réglé le siège, les rétros et tout le tralala. Alors c'est sûr, on a quitté notre Mercedes. C'est autre chose. Hein. On entend même les gaz. Alors, voilà, exactement, ce camion, c'est un Volvo 670 Limited Red, donc couleur rouge, hein, comme je viens de le dire. Ah, j'en profitais aussi pour regarder, non. Allez, on va tourner, hop, il n'y a personne. Et oui, j'ai dû rouler pour m'y faire à ce levier de vitesse, car... franchement, même si je conduis depuis de nombreuses années réellement, et bien là j'ai été surpris de me perdre autant. Alors, les vitesses, elles sont fractionnées. Bon, boîte en hache, mais les vitesses sont fractionnées. Oula. Il faut que je tourne. Il fallait que je tourne. Merde. On va passer la marche arrière. Il n'y a personne derrière. Non, il n'y a personne derrière. Je vais quand même mettre le warning. Hop. Je suis complètement perdu. Je dis, il n'y a personne derrière. Il y a une voiture qui passe au même moment. Allez. Bon, je sais pas ce que ça va être, la livraison. J'ai bien peur que ça va être du bois. Parce que l'Amazing Road Truck Shop me réserve toujours des belles surprises. Et j'ai un sacré chargement de bois. Allez, hop. On va regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on a exactement? Grumma, Seston, Lublin. On va à Poznan. Ah, Poznan. Je connais déjà. Allez, prendre. Voilà. Prendre la cargaison. Allez, c'est parti. Je vais laisser quand même le warning. On va faire une petite vue extérieure. Comme ça, on va admirer le camion. Votre remorque est prête. Et comme ça, je vais pouvoir... Alors, je vous ai déjà dit, voilà, deux modes, hein, mine de rien, dans cette vidéo. Je vous ai parlé du camion Mercedes qu'on avait au début, que je devais livrer à Écureuil, l'ami Écureuil, à qui je fais un énorme coucou, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on pourrait quand même se mettre à l'intérieur. Hein, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Allez, on va atteler ça convenablement. Hop, c'est bon. Allez, hop, boum, la remorque ayée. On va enlever la marche arrière. Voilà. Alors, on va quand même regarder ce camion. La tronche qu'il a. Ah ouais, c'est un sacré chargement. Hein. C'est un sacré chargement qu'il va falloir qu'on amène. Ouais. Allez, on revient à l'intérieur. Mais j'ai cru remarquer quelque chose. Alors, dans le rétro, ça n'a pas l'air de se voir. Même, on va regarder là si ça se voit. Non, peut-être de l'autre côté. Non, je ne vois pas non plus. Je vais vous faire voir quelque chose. Et ça va être la confirmation. Je vais mettre le frein de parking. Regardez bien. Il n'y a pas les roues. Alors, je sais pourquoi. Ça c'est la confirmation d'une info de Stéphana Stéphane, hein, que mon partenaire, parce qu'en fin de compte, avec cette version 1.15, on a le pack de Jazzy Cat, puisque j'ai le pack de Jazzy Cat en version, faut que je le retrouve, en version 3, en 3.0, puisque oui, on est sur la ProMode 1.83 et sur la version de ETS 2 en 1.15. Et malheureusement, ben voilà, je me retrouve avec des camions sans roues. Cool!
Alors, on va faire comme si on n'avait rien vu, puisque de toute façon, la plupart de tout ça, on va le faire en cabine à l'intérieur. Donc, c'est pas bien grave, ça roule. Allez, on va mettre le clignotant, personne n'arrive, on va pas perdre de temps. Merci de m'avoir laissé passer. Est-ce que j'ai le klaxon pour les remercier? Faut que j'enlève le warning. Hop. Alors, j'ai encore l'habitude d'être encore avec mon ancien volant. Là, les warnings. Et voilà. Alors, en plus, je me suis mis du mauvais côté. C'est pas bien grave. Hop, faut pas que je recule. Alors, j'ai tendance à reculer non seulement, regardez, en vidéo, enfin, en, sur cet épisode, mais je recule aussi avec mon siège quand j'appuie. Parce que l'embrayage du G27 est énorme. Il est super dur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Mais il est super dur, j'ai l'impression que je vais décoller. Bon, je fais pas non plus 80 kg, hein, j'en fais 60 tout juste. Et croyez-moi, je fais 60 kg, bah ouais, c'est un scoop. Alors attendez, je vais enlever, voilà. Parce que j'aimerais bien passer. Est-ce qu'ils vont me laisser passer? Bah, de toute façon, il va falloir. Hein. Allez, on y va, merci les gars. Oh, madame, elle a eu peur, je crois. Non, elle a pas eu peur, non. Alors voilà, alors on va pouvoir, on est en route, enfin on est en route, et je vais pouvoir vous dire ben, un petit peu les modes utilisés dans cette nouvelle version, de ce nouvel épisode, et avec bien sûr le passage sur la promo d'1.83 et la version 1.15.1. de ETS2. Vous aurez tout ça dans la description de cette vidéo, et vous pourrez, si vous voulez, télécharger les modes que je vais vous citer. Merde, j'ai calé. Oh putain, alors ça, par contre. Allez, on enquille. Bon, je me démerde pas mal avec le volant et la boîte en hache. Mais j'ai encore du boulot. C'est bon, c'est passé. Ah, je pensais pas que ce camion avait ce bruit de moteur. Hop, faut que je tourne. Alors, conduite plus tranquille, hein, comme vous le voyez. Hop là. Oula, je me gourde vitesse. Pas trop que je m'enflamme non plus, parce qu'il y a le feu. Et à chaque fois que j'appuie sur cet embrayage, croyez-moi, c'est pas évident. Ouais, alors ça se voit que ce n'est pas du tout la même conduite que d'habitude. Mais bon, je vais quand même me débrouiller. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur la promode 1.83. Et la particularité, c'est que j'ai galéré. Pour arriver à faire marcher cette version 1.15. Alors je sais que je ne suis pas le seul. J'ai voulu m'entêter parce que je suis têtu. Quand je veux qu'un truc marche, il faut absolument que ça marche. Non, c'est là. Ouais. Non, c'est pas là. C'est là. Non, c'est là. Voilà, c'est là. On est en 7ème vitesse. Allez, j'accélère. On peut accélérer, limiter à 50. Alors là, les vidéos vont... Je vais faire des courts trajets, hein, parce que si je me démerde comme ça, on va pas aller bien loin. Donc comme je vous le disais, j'ai galéré vraiment dans cette vidéo 1.15. Et avant tout de vous citer les modes, je voulais savoir si la musique, la radio locale, la musique, le son du moteur, si tout allait bien par rapport à ma voix, si ma voix n'était pas trop forte, si voilà, dites-moi, n'hésitez pas, je ne le prendrai pas comme une critique, je le prendrai surtout comme une aide. Alors des fois, si vous voyez que je regarde vers le bas, c'est tout simplement que j'ai mes LED qui vont s'allumer. Là, je suis pas à fond. Écoutez ça, là il est enquillé. Ah, ça commence à s'allumer en vert, en orange. Et je vais pouvoir passer la 11e vitesse, voilà. Pas aller trop vite non plus, mais on va rouler tranquillement. C'est limité à 70, je suis déjà un peu plus haut. Et j'ai tellement galéré que j'ai réussi à la faire fonctionner. Mais je viens de m'apercevoir encore là, et la confirmation de Jay-Z 4,
de Stéphane à Stéphane qui m'avait dit fais attention, les packs de Jessica sont déconnent pas mal, et j'en ai la preuve. Donc c'est ce que je viens de m'apercevoir, qu'en fin de compte, sans les roues, regardez, il n'y a même pas les roues de celui qui vient de passer. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'aurais su ça, j'aurais même pas j'aurais essayé de régler le problème avant de faire la vidéo, de retirer simplement le pack. C'est pas grave, prochaine vidéo, si ça m'enlève pas ma cargaison, je l'enlèverai. Oh là là, je me trompe dans les vitesses. Hop, 9ème, c'est bon, tranquille, hein, on y va tranquille. 14h35, ça fait déjà une heure. Ouf. Bon, c'est pas bien grave, on est déjà à la moitié du temps au niveau de cette vidéo. Voilà, donc pour les modes utilisés, je suis revenu, j'ai lâché mon Lotus, mon mode graphique que j'adorais absolument. Et je sais qu'il y a Stéphana Stéphane qui est sur le coup, qui va essayer de me trouver une nouvelle version. Si je cherche de mon côté, bien entendu, pour essayer de trouver une nouvelle version de ce Lotus mode pour qu'il marche avec cette version 1.15. Mais je crois que j'ai jamais galéré autant pour faire fonctionner des modes sur une version de ETS 2. D'habitude, ça prend quelques temps. Et là, j'ai dû même tout recommencer. Et je vais vous l'avouer, j'ai dû prendre carrément une save complète. Et oui, j'ai pris une save complète. C'est pas bien, je sais. Je l'avais dit déjà dans les commentaires de la vidéo numéro 46 que j'allais prendre une save complète parce que c'était quasi impossible. Ouais, c'est quasi impossible parce que... Alors, ce qui est bizarre, c'est que je vais allumer les feux. Il est 14h, il est 15h et il fait presque nuit déjà. Bon, c'est bizarre. Donc... je suis passé tout simplement sur le Brutal Environnement HD Gold Premium. Voilà, on me l'avait conseillé, on m'avait dit prends-le L7C Fox, tu verras, il est magnifique, nanana. Certes, on peut dire, regardez, il y a quand même de bonnes couleurs et tout. Pour le moment, je dans le top 10, c'est mon Lotus, mais je ne peux plus l'utiliser puisqu'il ne passe pas. Alors, voilà. Donc, vous le savez, la promode 1.83, on avait utilisé en début de vidéo le camion MB Mercedes 1518 ou 1518, je ne sais pas comment on dit. Un très bon petit camion, mais pas mal buggé. Donc, j'ai voulu faire un petit changement au début de la vidéo, style livraison à part. Voilà, j'utilise en mode. Le réalistique physique mode pour la physique du camion en version 10 de Kakak, et bien sûr il fonctionne très bien et j'en suis vraiment content. Je suis premier dans les vitesses, hop voilà, c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé mon truc. Alors on roule doucement, hein. Bah oui, on roule doucement, déjà on est en ville, même si je suis déjà à 60 km/h. Il va falloir que je tourne par là, je ne sais pas où. On va ralentir un petit peu, on va se tourner légèrement, voilà, hop, on va repasser. Ouh, j'arrive un peu vite, allez, on accélère. Ah oui, il va falloir retourner même, hop. Alors quand il y a les phases pour tourner et tout, j'arrête de parler parce que je veux me concentrer par rapport, bien sûr vous le savez, au levier de vitesse. Hop, 5ème. Ça va, hein, ça gère, hein. Allez, j'accélère parce que croyez-moi, il a l'air d'en avoir sous le capot, hein. Bon, très beau compteur, très beau camion, tout fonctionne, tout a l'air de fonctionner très bien. La livraison n'est pas si lourde que ça, j'ai cru voir 15 ou 20 tonnes, je ne sais plus. Allez, j'accélère un petit peu pour passer les prochains rapports. Voilà, alors vous avez vu, hein, je passe, regardez, je vais mettre en roue libre, je passe de la 1 à la 3, à la 5, à la 7 et à la 9, à la 11. Voilà, comme ça vous savez que j'ai les rapports fractionnés. C'est ce que j'ai voulu faire. Bon, j'ai voulu faire ça parce que sinon je suis obligé d'appuyer sur un bouton. Enfin, vous le savez, pour les utilisateurs du G27. Je vous donnerai mon avis du G27 tout à l'heure. On va continuer sur les modes. Donc, comme vous le savez, j'ai aussi quand même gardé la Russe Map en version 1.4.5 pour qu'elle fonctionne avec la version 1.83 de la ProMod. Mais on n'y est pas. On en est sorti et je veux me diriger sur le nord de l'Europe absolument. Je veux absolument partir sur le nord de l'Europe pour un petit peu une découverte un petit peu spéciale,
vraiment des pays très très froids. On va peut-être aller vers la Suède et tout, je n'en sais rien. On va voir ça. Voilà. Donc, Rusmap, ça je vous l'ai dit. Le Volvo, je vous l'ai dit. Bien sûr, vous l'avez vu, j'ai le skin privé de l'AETS pour le garage. Vous l'avez ? Pour le garage, comme on a vu au départ, excellentissime puisqu'il fonctionne avec la version 1.5, j'avais 1.15, j'avais peur. Aussi, je vous l'ai dit, ben, le pack de Jessicat, le trailer and cargo pack en version 3.0. Alors, je verrai à le retirer, peut-être, je verrai ça. Stéphane m'avait prévenu. Donc voilà. Bien sûr, comme vous le voyez à l'écran, le Winter Mode en version 2.2. Et oui, 2.2, là, vraiment la dernière version toute fraîche que j'utilise. J'ai pas besoin de carburant. Non, pas trop fatigué. On continue. Salut l'ami. Klaxonné trop tard, c'est pas grave. Voilà, bon, le mode des mini rétro, je vous le rappelle pas, je l'ai encore. Et que aussi, à ma grande surprise, qui a fonctionné, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modes qui fonctionnent avec cette fameuse version 1.15, mais le mode du navigateur, voilà, j'ai le Wheel, ETS de Wheel Navigateur version 2. Comme vous pouvez voir, mon GPS, regardez le GPS du camion, il est aux couleurs. Voilà, normalement, alors il est bugué pourquoi ? On le voit pas, mais normalement j'ai le GPS d'en bas à gauche à droite de l'écran qui est normalement les mêmes couleurs que le fond du GPS du camion. Et bien là je sais pas pourquoi, mais là ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça au fur et à mesure. Alors je préfère vous le dire parce que comme je mets ces liens en fond en téléchargement, je n'ai pas envie que vous me dites, mais attends, ton lien est bugué, machin, je vous ai prévenu. Voilà. Alors ensuite, on va partir sur quoi ? On va partir... On va partir sur quoi ? Avant de donner mon avis final du fameux G27, j'ai une déneigeuse qui est juste en face. Est-ce que je vais la rattraper ? Oula, j'ai eu peur. Ouais, non, je vais peut-être pas pouvoir la rattraper. Alors... Avant de vraiment partir sur ce que j'ai vraiment à vous dire, sur le petit concept que je viens d'instaurer dans mes vidéos, bon, on a fait LCC Fox sur les routes d'Europe où on a découvert divers endroits. Mais pourquoi ils freinent pas ? Ah, désolé. Ah putain, il faut que je mette les warnings. Oh merde, j'ai fait une connerie. Ah, mais il se barre, il fait quoi ? Mais j'ai freiné. Bon, on repart. Monsieur est parti. Bon, allez hop. Je sais pas pourquoi. Oh putain, j'ai défoncé le devant du... J'ai défoncé la calandre du Volvo à tous les coups. Bon, je verrai où on va s'arrêter. C'est pas par la musique hein, que j'étais pris dans le truc. Mais c'est que je sais pas, j'ai freiné. Oh, faut que je me rapproche un peu. Allez, on y va. Bon, on continue. Hein. Bon, j'ai bousillé la calandre. Hein. Oh là là, alors déjà c'était catastrophique. J'ai réussi à quand même à m'améliorer. Je sais pas s'il y en a un qui a essayé de me doubler ou je sais pas quoi. Et puis je suis en train de me rendre compte que c'est pas si évident que ça. Hein, pourtant je conduis depuis des années. Je conduis depuis Dieu. Oh là là, je conduis. Oh là là, je conduis depuis plus de 20 ans. C'est fort ça. Ouais. Hop là. Je conduis depuis plus de 20 ans. Oh, je viens de réaliser que je conduis depuis longtemps quand même. Oh putain, je conduis depuis plus de 20 ans. Non, faut continuer. Mais qu'est-ce que je fous moi? Je conduis depuis plus de 20 ans. C'est quand même fort ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Le temps passe très vite. Bon allez, je m'égare pas plus. Parce que il va falloir déjà que je trouve un point pour m'arrêter. Et il y a cette déneigeuse qui va m'emmerder. Donc j'ai tellement galéré. Voilà, on va revenir là-dessus. J'ai tellement galéré pour passer et faire fonctionner cette version 1.15 de ETS2 que je remercie. Voilà, je remercie Jérôme90, Stéphane et Écureuil
pour leur aide, leur soutien. Et ils m'ont franchement aidé à faire fonctionner cette putain de version 1.15. Alors certes, je reviens aussi sur Yannick de ma page YouTube qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu es fou ? Es-tu le seul à faire essayer de t'es-tu à faire fonctionner cette version 1.15 alors qu'il n'y a rien qui fonctionne ?» Oui, je sais Yannick, c'est vrai. Je reconnais que j'aurais dû rester en version 1.14. Mais j'avais promis, j'avais dit à Kutchek que je passerai à Kutchek, mon ami Kutchek, je passerai sur revenir un peu sur la promode, puisque j'étais côté Rusmap, et surtout pour en 1.83 pour découvrir un peu cette dernière version. Et donc du coup, je suis passé en version 1.15, j'ai tout mis à jour, et à ma grande surprise, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et du coup, tout a l'air à 85-90% de fonctionner. Donc voilà. Alors je remercie Stéphane à Stéphane, Jérôme 90, Écureuil pour votre aide. Vraiment sur Écureuil qui a cherché, qui m'a proposé des mods. Stéphane à Stéphane, toujours pareil. Quelque chose d'abouti, clair et net, qui me propose des mods à longueur de temps. Et je l'en remercie parce que j'ai même déjà prévu, peut-être, un prochain camion. Mais ça, je vous en dirai pas. Hop là. Je vous en dirai pas plus parce que je veux que tout soit fonctionne pour pouvoir vous le proposer en vidéo et surtout vous mettre les liens. Si je dois vous mettre des liens qui sont complètement buggés, qui ne fonctionnent pas, ça sert à rien. Si je vous mets quelque chose, c'est que ça fonctionne parfaitement bien. Allez, j'accélère un petit peu. Au niveau des passages de vitesse, je me concentre un petit peu plus. Donc voilà, déjà pour le début des notes que j'avais parlé et que j'avais noté, c'est vraiment pour moi quelque chose d'agréable d'avoir des personnes qui s'y connaissent et des personnes en plus qui vous aident, qui vous font partager leur passion. Et franchement, c'est excellentissime. Alors, je ne vais pas parler du G27, non, même si je l'ai noté pour en deuxième sujet. J'avais quelqu'un qui essayait de me doubler. Parler du passage de la promode et des DLC. Bon, ça je l'ai dit. Rusmap, je vous l'ai dit. Romap. Alors, Romap, je voulais en glisser un petit mot vite fait. Eh bien, j'ai été déçu. J'ai été déçu de la Romap, je l'ai complètement retiré. J'ai peut-être pas vu les endroits les plus jolis. Mais franchement, j'ai été un petit peu déçu. Ah, ça y est, je vais pas tarder à calancher parce que j'ai le terre qui arrive. Je sais pas pourquoi, ou le crabe, j'en sais rien. Et la Romap, bon, j'en parlerai pas plus parce que bon, elle m'a pas vraiment convaincu. J'ai voulu y aller, j'y étais. Je verrai ça en dehors des vidéos. Je verrai ça. Faudrait que j'accélère un petit peu parce que il reste quand même 300 bornes. Je me suis dit, je vais faire cette petite livraison tranquille. Ça va prendre le temps de cet épisode, mais que dalle. Quand même que j'accélère un petit peu, 18h24. C'est rare quand je roule de nuit, mais au moins on voit que ça marche très bien. Alors sachez que avec le brutal environnement HD, j'ai désactivé le HDR. Voilà, j'ai demandé deux fois à Stéphane si je devais le laisser ou pas. Il m'a bien expliqué, donc je l'ai retiré. Et ça passe quand même très très bien. J'ai quelques petits décrochages, mais ça c'est parce que je suis passé à 400%. Au niveau du rendu, je vous l'expliquerai, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. C'est vrai que pour certaines personnes, ils ne vont pas comprendre ce que c'est ce 400%. Par défaut, on est, je crois, à 125%. C'est vraiment l'affinement des textures, la qualité des textures et tout. Je suis passé à 400%. Et Yannick m'avait dit dernièrement dans mes vidéos que j'avais des petits lags, des petits... Oula, je fais une connerie. J'aimerais bien le doubler. On va essayer de le doubler. Est-ce que je peux le doubler? Ouais, c'est bon. Allez, je me rabats. Waouh! Bon, j'ai fait un petit dépassement bien sympathique. En tout cas, je peux accélérer un petit peu. Pas trop m'enflammer non plus parce que je vois pas très bien la route. C'est vrai, je vois pas très bien la route. Bon, il y a du monde devant. Voilà, donc ensuite, je devais normalement vous parler de mes soucis de surtension.
Je ne pourrai pas vous en parler, non. Je ne pourrai pas vous en parler parce qu'on va s'arrêter à ce parking-là. Je vous en parlerai lors de la vidéo numéro 48 parce que j'ai encore pas mal de choses pour ceux qui ont suivi l'histoire. Je vous en parlerai et vous comprendrez. Merde, il faut que je m'arrête là. Hop là, hop là, hop là. Allez, on va freiner un tout petit peu. Voilà, où ça a klaxonné. Ben oui, je crois que j'ai fait un petit peu l'enfant là. Désolé, j'ai vraiment coupé sans regarder dans les rétros. Hop là, voilà, on est arrivé. Je vais mettre le frein de parking. Voilà, et on va faire une petite vue extérieure. On va même couper le moteur. Hop, voilà. Ah, je crois que la radio s'était coupée quand j'ai coupé le moteur. Ça, c'est pas mal. Allez, on va couper, on va enlever le GPS. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste 266 km. On fera ça lors du prochain épisode. On va enlever le rétro, c'est pas la peine que je le laisse. Et on va faire la petite vue extérieure pour terminer. Même s'il n'y a pas les roues, on va essayer de faire une vue qui nous embête pas au niveau des roues ou quoi que ce soit. Ça, ça m'embête, hein, franchement. Moi qui aime bien peaufiner le truc. Même, allez, on va faire une vue un peu plus grande pour voir l'endroit où on est. Il fait noir complet. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Bon voilà, on va rester comme ça. Ça m'emmerde parce que y a, on voit, il n'y a pas les roues. Ah, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui m'embête vraiment. Donc aussi, alors, pour terminer cette vidéo, on va rester sur cette vue sans roue, avec une belle lune. Mes soucis de surtension, de mon problème que j'avais eu cet été, exactement le 10 juillet 2014. Je vous expliquerai lors de la vidéo numéro 48 où on en est, parce que ce n'est toujours pas réglé. Et oui, voilà, je vous expliquerai ça lors de la vidéo numéro 48 parce que là je vais pas avoir le temps parce que j'ai quand même une petite dédie à faire, à parler d'un youtubeur et surtout d'un nouveau partenariat. Et oui, donc on va commencer par la petite dédie. Tiens, alors, lui il cause, je sais pas ce qu'il dit le gars, mais on va revenir à l'intérieur du camion. Voilà, on va se mettre comme ça, c'est quand même plus joli. Voilà, donc la petite dédie a été demandé par Michael Chiaravalli, à qui je fais un énorme coucou. Je te salue l'ami, merci Michael pour cette demande de dédie. Voilà, et j'espère que toi aussi, je suis Charlie, j'espère que toi aussi tu es là pour cet hommage. Merci à toi pour cette dédie, c'est vraiment sympa. Et avant de parler du partenariat, je vais vous parler d'un youtubeur que j'ai découvert récemment grâce à Titi Duro Truck, à qui je fais un énorme coucou. Aussi j'en profite à Kevel, à tous les habitués à qui j'ai affaire. C'est pour ça que j'aime pas dire des noms, parce que je faut pas que pour les autres vous pensez que je vous oublie. Certainement pas. À Titi du Rodrock, que je fais un énorme coucou, à qui je, comme je l'ai dit, même à Kevel, j'essaierai de reprendre au plus vite. Il a arrêté le camion ou j'ai bugué? Ah non, j'ai pas bugué. J'ai l'impression qu'ils sont arrêtés là-bas. Je sais pas ce qu'ils font. À qui j'avais dit à Titi du Retrait que je reprendrai le multijoueur de TS2 et normalement peut-être Farming Simulator 2015, on verra ça. Et en même temps, je voulais vous parler de la découverte de Goodrox. Goodrox, je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch et tout le tralala, puisqu'il a annoncé dernièrement que j'étais à plus d'un milliard d'abonnés. Je l'en remercie, l'ami, ami Goodrox, je t'en remercie. Et ça a été une énorme surprise pour moi, parce que franchement, j'ai été surpris de Goodrox par son humour, franchement, qui m'a plu beaucoup. Alors même si on avait quand même une sacrée différence d'âge, puisque j'arrive sur mes 42 ans, c'est comme ça, j'arrive sur mes 42 baloches bientôt, pas encore mais bientôt, je les ai pas encore, donc je suis à 41 et il y a quand même une sacrée différence d'âge quand je participe avec Titi du Rotruck, Kevel, Dark Funeral, Wakalush, Tanguy, et j'en oublie certainement, et Kevin Nikosov, les plus grands des plus grands des plus grands. Et mais j'ai découvert Goodrox, et Goodrox, ça a été une agréable surprise. Je l'ai dit lors de l'interview de Titi du Eurotruck, que j'avais franchement découvert de très bonnes personnes cette année 2014. Voilà,
partenariat, on va partir sur le partenariat. Partenariat et B avec Mike. Et je crois que c'est Mickaël, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui dernièrement m'ont demandé de si je pouvais continuer le partenariat avec la radio Infotrafic, la radio du jeu. Et on n'est pas sur la radio, attention, mais je l'ai, puisque Stéphana Stéphane, lors de sa mise à jour du fichier des radios, l'avait implanté. Donc, j'ai dit oui. Donc, je vous verrai dans la description de la vidéo le nouveau partenariat qui sera mis avec tous les liens, le lien de la page Facebook, le lien du site. Et bien sûr, je fais un énorme coucou à Maï et à toute l'équipe de la radio, voilà, à qui ils ont encore pensé à moi. Et je vous en remercie, les gars. C'est vraiment sympathique. Quand je reviendrai un petit peu plus loin, je mettrai la radio, vous inquiétez pas. Mais ça n'empêche pas, je vous fais un énorme coucou pour ce partenariat. Partenariat Gémoniac pour terminer la vidéo, je me dépêche, ou avec le code, avec mon code, vous pouvez avoir moins 7 euros, vous avez 7 euros de réduction avec le partenariat de Stéphana Stéphane, où il présente mes vidéos, je présente et je parle de lui dans mes vidéos pour la qualité des mods qu'il met en avant, même si tous les mods ne sont pas créés par lui, mais ils sont mis en avant et ils fonctionnent avec la version. En fin de compte, il met des mods en temps réel. Et Stéphana, Stéphane, je te fais un petit coucou aussi, l'ami partenaire. Et bien sûr, maintenant, la radio info de ETS2. Voilà, coucou à Mike et à toute l'équipe de cette radio pour ce partenariat supplémentaire. Voilà, je vous laisse là. Vous avez vu mon tableau de bord, vous l'avez assez vu. Moi, je fais que parler. J'ai dit la dédie, tout a été dit. Goodrock s'y est passé. J'ai pu tout dire. Ça a été vraiment... J'ai vraiment parlé, il faudrait que j'aille boire un coup parce que j'ai plus de salive. Et je vous retrouve pour l'épisode numéro 48 où je verrai essayer de régler les petits derniers bugs avec le pack de Jessica en version 3.0. On verra ça. Salut à tous, je vous dis bonne journée à vous. Et surtout, je cherchais en même temps ce que j'allais dire. Bon jeu à tous et surtout, on est tous Charlie. Retenez ça. Salut à tous. Ciao.